Sud Radio 8h26, vous le savez, dans quelques minutes, 8h30, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, ce sera Sandrine Rousseau. D'abord, on retrouve Elisabeth Lévy, Françoise de Gouin. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu quand même d'Emmanuel Macron, qui n'est pas assumé par les candidats de son propre camp, mais qui parle. Juste un mot très rapide pour conclure, Françoise de Gouin, sur la question dangerosité sur les insoumis, Les gens ont le droit absolument de penser que, et Elisabeth citait ses sources et je les entends, Lionel Jospin notamment, que j'ai très bien écouté sur plusieurs radios et que j'ai très bien lu, Lionel Jospin, lui, considère que nous sommes dans les années 30, il a le droit de le penser. Donc c'est ce que je vous dis. Vous avez le droit de dire que c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de gens dans ce pays qui pensent ça aussi. Voilà. C'est pas l'enjeu du débat, je disais juste que c'était une façon d'acclimater les gens. Au fait, il y a encore, ce matin, j'ai encore entendu des questions posées. Mmh. Est-ce que les fonctionnaires ont le droit de ne pas obéir au gouvernement? Mais si c'est un gouvernement illégal, on a tous les droits. Oui, bien sûr. Voilà. Allez, on passe à Emmanuel Macron. On va parler un petit peu d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai que il n'est pas présent sur les affiches des candidats de son camp, ni de ses ministres. Et pour autant, il parle. On a l'impression qu'il gêne plus qu'il n'aide son camp. Une réaction là-dessus, Elisabeth Lévy, comment vous réagissez cela ce président de la République qui continue de faire campagne à la place de ses candidats, d'une certaine manière. C'est très difficile pour quelqu'un d'admettre qu'il ait une gêne plutôt qu'une aide. Surtout quand on est président de la République. Ce serait très difficile pour chacun d'entre nous. Il semble que ce soit particulièrement difficile pour Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec Elisabeth, et c'est pas le premier président dont on cache la tête. Je vous rappelle qu'on a caché la tête de François Hollande, on a caché la tête de Nicolas Sarkozy. Il y a un moment donné où ils ne veulent pas être empêchés. De Lionel Jospin également. Donc, je veux dire, ce qui est grave chez Emmanuel Macron, c'est ce déni. Je ne sais pas si vous avez entendu son interview, mais Elisabeth, vous l'avez vu hier, probablement, où il parle. Alors, il parle maintenant de l'extrême-gauche immigrationniste. C'est-à-dire que moi, ça ne me gêne pas qu'il pense. Mais il parle à moi, là. Mais vous comprenez, c'est pas pour vous qu'il dit ça, c'est pour moi. C'est gênant. Ouais. Mais il pense quoi? Qu'il va ramener avec ses propos des gens du... Il y a 20%, je vous explique le problème arithmétique, il y a 20% des électeurs d'Emmanuel Macron qui ont décidé de voter pour l'Assemblée nationale. Vous regardez, c'est ça la proportion. Est-ce qu'il pense qu'en parlant de l'extrême-gauche immigrationniste, il va ramener quelqu'un dans ses filets? C'est terrible, et je pense que c'est terrible pour la majorité. Il a fait campagne quand même sur les deux présidentielles, plutôt en essayant de s'attirer, l'aile gauche, quoi. Alors moi, je pense qu'il peut ramener, effectivement, en parlant de cela, il peut ramener dans des duels, par exemple... évidemment, il peut ramener quelques voix, à condition que ses électeurs ne sachent pas comme moi que Emmanuel Macron peut dire exactement le contraire le lendemain, et que demain il peut dire, mais vous savez, il faut faire attention à cette extrême droite qui ne veut pas l'immigration. Donc si vous voulez, il peut nous dire un matin, ça c'est quand même un peu... Mais ce qui est, la seule chose qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, ou dans l'avion, ou je sais pas où c'était, non. Il démissionnera pas. Non, c'est que aujourd'hui, il veut me causer à moi. Il veut causer plutôt, gens qui veulent réguler l'immigration, etc. Sûr. Demain, peut-être parlera-t-il à Françoise, et là, il dira... Vous savez très bien que ça va être en fonction des résultats de dimanche. Honnêtement, il ne faut peut-être pas commenter chaque jour ses propos. En revanche, mais je pense que c'est vrai dans tous les pays d'Europe. Les gens qui sont au pouvoir ne sont pas populaires. Et je pense, pour terminer, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du déni. Vous savez qu'Emmanuel Macron continue de dire et est absolument persuadé qu'à la fin des fins, c'est lui qui gagne. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce que disait Lacan? Un de ses élèves lui demandait maître, parce qu'il se faisait appeler maître. Il se faisait appeler maître. Maître, qu'est-ce que c'est le réel? Et là, Lacan a répondu, le réel, c'est quand on se cogne. Et je pense que Emmanuel Macron va vivre un moment lacanien. Le dimanche 30 et le 7 juillet. Eh ben, on restera sur cette belle référence, Lacan, merci à vous. Et tout le monde s'est calmé, on est tous d'accord. Merci à vous, Françoise de Gouin. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Bonne journée à vous deux, 8h30 sur Sud Radio. Dans un instant, vous retrouvez Jean-Jacques Bourdin, son invité politique ce matin, 8h30, 9h. Sandrine Rousseau, députée sortante de Paris, candidate nouveau Front Populaire pour les législatives. Je vous souhaite une très belle journée. Continuez d'écouter Sud Radio, bien sûr.